Fais coucou à la caméra. C'est un film. Oui, en direct de Saint-Cloud, c'est une expédition pour aller faire les courses. Et c'est une expédition pour aller travailler. Oui, nous sommes dans Koh-Lanta Neige. C'est la version hiver de Koh-Lanta. Donc, nous sommes 2 millions de participants. Nous avons été des rescapés, des naufragés. Donc, surtout, je dis... Ah, mon Dieu ! Obstacle insurmontable. 2 millions de personnes vont devoir faire un détour. Voilà, c'est bon. J'ai réussi, c'est génial. Allez, je vous donne rendez-vous, same time, same place, dans une autre vie. Allez, salut. Oui, reportage spécial Saint-Cloud. Donc là, nous voyons une voiture avec une personne qui ne pourra pas prendre sa voiture, malheureusement, car la couche de neige est trop épaisse. Elle est trop poudreuse, elle n'est même pas verglacée. Ça va être compliqué pour pouvoir la prendre et aller travailler. Donc c'est vraiment très très difficile. Moi-même, voyez-vous, j'ai une montagne de neige poudreuse. C'est très difficile pour moi de monter le trottoir sans risquer le glissement de terrain de ma connerie de conscience. Ok, rendez-vous, same time, same place. Prochain rendez-vous, ok? Bonjour, grand reportage de Saint-Cloud comme d'habitude. Donc c'est moi, votre représentateur préféré. Donc là, comme vous le voyez, constaté, le panneau de signalisation est à peine visible. Ce qui veut dire que tous les automobilistes vont être désorientés. Comment faire? Les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? On ne voit pas le bouton rouge. Ça veut dire que sur le feu, il y a quoi? Un bouton vert, un bouton orange et la moitié d'un rouge? Non, c'est pas possible. Il faut absolument faire quelque chose, car le panneau de signalisation qui se trouve là, on ne le voit pas, presque pas. C'est dangereux. Oui, c'est moi. Bonjour à tous les internautes et tous ceux qui suivent l'actualité de très près avec moi. Donc, comme vous pouvez le constater, cette maison a été littéralement abandonnée. Pourquoi? Puisque sur le toit, il y a un peu de neige. La poudreuse, elle est très lourde. Le toit risque de s'effondrer. Donc, les habitants, les occupants ont été obligés de quitter leur domicile. Donc, ils ont été probablement dans un gymnase ou un paquebot pourri de la Seine parce que, voyez-vous, il y avait les inondations, la crue. Donc, du coup, je ne sais pas trop où ils sont peut-être morts, j'en sais rien. Donc, voilà, je vous dis à bientôt, same time, same place. Oui, bonjour, c'est Remoi. Alors là, ici, je vous présente un enfant, un adolescent, qui vient de comprendre que la neige, c'était froid et que ça pouvait piquer les yeux. Il vient juste de le comprendre. Il m'a dit « Ouh, c'est froid !» Donc, « Ouh, c'est froid !» Ça veut dire que, oui, la neige est froide. T'as pas mis ta mitaine ? Oui, c'est Remoi. Bienvenue encore une fois de plus sur le reportage de Saint-Cloud. Ici, vous voyez, c'est donc l'arrêt de bus 175. C'est le seul arrêt de bus à Feudon qui est desservi par la RRTP. RRTP. Puisque c'est le seul endroit qui est couvert. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il ne fait que cette station-là. Donc, le bus, il vient ici et il le dépose de l'autre côté à la même station. Voilà. Same time, same place.